Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est unboxing avec la boutique FG Normal. Aujourd'hui je vais vous présenter deux kits de broderie et un kit de DP. Donc on va commencer par le DP, voilà, puisqu'il est tout seul, le malheureux. Et pour ça on va se mettre face bureau. Alors, on va avoir le petit toolkit comme d'habitude. Excusez-moi. Et ben, je peux vous montrer les perles à travers le plastique puisqu'elles sont en sachet zippé. J'aime bien quand elles sont rangées comme ça. Alors, on va zoomer, on verra mieux. Voilà. Donc des jolies couleurs, assez sobres, mais très jolies. Voilà. Ah, il y a un petit blanc qui se prend. Ah, bah, vous l'aviez vu là, mais voilà. Vous voyez, c'est les sachets zippés avec le petit diamant. Et ceci pour faire. Oh, pardon, je ne vous ai pas dézoomé. Excusez-moi. Un indien avec un loup, un bœuf, buffle et un joli aigle. Voilà. Donc, très joli. Alors, on a 22 couleurs. Voilà. Donc, vous avez la référence du DP ici en haut. Vous avez la légende en haut à gauche, en bas à droite. Vous avez l'image. Mais bon, je vous remets la photo, ce sera beaucoup mieux. Niveau impression, bah écoutez, ça va très très bien. Vous voyez ? Et ça colle très très bien également. Alors, ce petit DP 30-40, l'Indien avec les petits animaux là, tout mignon. Alors, c'est à 4 livres 99. Pardon, excusez-moi. Je vous remets comme d'habitude, bien sûr, le prix en euros à l'écran. Alors, en broderie, ce sera du Joy Sunday tous les deux. Ici, ça va être un spécial chat. Alors, ce sont... peinture de chat abstrait, voilà. C'est un 14 CT, donc ça va se broder en deux fils. Il fait 34 sur 26 cm. Normalement, je crois que celui-ci est un estampé. Oui, voilà, je ne me suis pas trompée. Oh, ben, décidément. Alors, on a un patron, de toute façon, c'est du Joy Sunday, donc c'est toujours top. Hein. On a 19 couleurs. Voilà, vous retrouvez l'image ici. Et ça va être du bloc, du bloc, du bloc. Voilà. Ouais, c'est que du bloc, très coloré. Voilà. Et il n'y a que du point de croix. Alors, niveau couleur, donc c'est la plaquette que l'on aime bien. On retrouve nos deux aiguilles ici. Et niveau couleur, donc il y a 19 couleurs. Donc, ça va être assez coloré, hein, comme vous voyez. Et de l'autre côté. Voilà. Hop. Niveau toile, bien sûr, c'est de l'Aïda.
pas très grande, hein, voyez, c'est le dessin en lui-même, il fait 27,5 sur un petit 20 cm. Voilà. Donc là, c'est du bloc, donc pas de prise de tête, vous faites ça le soir devant la télé, vous êtes tranquille. Les petits poissons, les arêtes de poissons, voilà. Et nos trois petits chats. J'espère que vous entendez pas, j'ai mon ventre qui gargouille, mais à une force. Donc, vous retrouvez ici en bas la légende. Donc, c'est une légende toute simple, puisqu'il n'y a pas de point nœud, il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien. C'est que du point de croix. Donc, oh, excusez-moi. C'est... excusez-moi, j'avais coupé, j'étais en train de m'étouffer. Je disais donc, une grille spéciale débutant. Hein. Voilà, Fifi, bien sûr. Allez, bouge ton cul. Non, on voit plus rien. Fifi. Fifi. Allez, mon bébé. Non, bien, c'est des broderies de Minou. Non, bouge. Désolée, voilà. Oui, je disais donc, on va y arriver. C'est une broderie vraiment spéciale débutant, pas de prise de tête, rien du tout. Voilà. Alors, cette broderie, je vous ai dit le prix ou pas? Non, je ne vous l'ai pas dit. Elle est à 4,99 €. Voilà. Bon, Fifi veut absolument voir les chats. Voilà. Allez, je vous montre la suivante. Voilà, la suivante. Un petit chat dans les baskets. Une marque de baskets bien connue. Donc, Yellow Cats playing White Shoes Lad. Bon, hein, d'accord. Vous avez compris mon accent complètement pourri. C'est un 14 CT. C'est en deux fils et il fait 40 sur 21 cm. C'est du pseudo Joy Sunday. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne le dis plus, mais derrière, il y a des explications, comment faire la broderie, la laver, tout ça. Bon, c'est écrit en anglais, mais c'est très facile à comprendre. Alors. J'ai combien de pattes? Ah, il y a plusieurs patrons aujourd'hui dedans. Voilà. Il n'y a plus rien? Non. Oui, il y a deux patrons aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Alors, on a un... Bon, tant pis, je vous le montre en premier. Une grille, mais... que pour le point arrière. Alors ça, c'est pas mal, pour surtout pour ceux qui débutent ou quoi, pour vous retrouver dans le point arrière, parce que des fois, il est dessiné en même temps que les croix, et c'est toujours un peu compliqué à voir. Donc ça, c'est une nouveauté. Avant, ils ne le faisaient pas. Donc vous avez une grille pour le point arrière. Voilà. Donc là, vous voyez quand même beaucoup de points arrière. Mais ça, c'est très, très bien comme initiative. On va avoir combien de couleurs? 35 couleurs. Voilà. Je vous montre. Alors, on a du point de croix, du quart de croix. Voilà, donc quart de croix et de la demi-croix, du point nœud et du point arrière. On s'éclate. Alors. Et voilà, donc. Ah ben, c'est bête, ils ont mis le point arrière aussi, là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Commence à faire des efforts, hein. Mais voilà,
ils auraient dû mettre un patron avec le point arrière et un patron sans le point arrière. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Sinon, c'est toujours très, très clair, de toute façon. Puis même, bon, là, par exemple, vous voyez... Alors, attendez. Hop. Ici, le point arrière passe à travers. Mais on voit bien que la couleur, c'est comme celui-là. Donc, on sait que c'est un 5. Voilà. Mais bon, ça fait des efforts. Même chez Joy Sunday, enfin, pseudo Joy Sunday, on fait des efforts. Alors, ici... alors, je regarde. Oui, là, on a aussi la légende, mais la légende qui est là, c'est celle du patron papier. Celle que l'on a vue ici en premier, c'est la légende, on va vérifier, mais c'est normalement c'est ça, c'est la légende de la toile. Et la toile, alors je pensais avoir pris en point compté. Ah non, 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 c'est de l'estamper. Je pensais... Alors là, du coup, on va avoir deux plaquettes. On a nos aiguilles, comme d'habitude. Et niveau couleur. Alors, ça, c'est ce qu'il y a sur la deuxième tablette, plaquette, pardon. Voilà. Et il y en a encore, bien sûr. Excusez-moi. Voilà. Hop. Donc, des jolies couleurs. Et... oh, elle est très souple. Et voilà le dessin. Ouais, je pense que ça devrait aller. Comme il va y avoir beaucoup de points arrière, ça va mettre en valeur le dessin. Donc, il n'y a pas le fond à faire. C'est une partielle. Donc là, on voit bien le chat avec ses petites oreilles. Bon, les baskets, hein, voilà. Donc, ce qui est là, ça va être du demi-point. Et le quart de point, où est-ce qu'il y en a? Alors, le quart de point, c'est quoi? Alors, le quart de point... je sais pas. Je sais pas où il y en a. Je ne trouve pas le quart de point. Peut-être ça, non? Attendez, il est où? Non, c'est des petits carrés. Écoutez, je sais pas où il est. Je trouve pas. Je sais pas où ils ont mis le quart de point, mais bon. Voilà. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, du coup. Alors, cette petite broderie est à 3,99 €. Voilà. Bah écoutez, moi, je remercie beaucoup la boutique FG Normal. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il y a dans la boutique. Hein. Il y a du DP, il y a de la broderie, il y a du tricot. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Moi, en attendant, bah, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.